À quand les blueprints d'Aoni? Ça va, c'est tout simple. Y a pas grand chose. J'en ai encore fait un au petit déj. Eh oui, on devrait les mettre derrière les parquets de Chocapic. Comme ça, tout le monde sera entraîné à jouer à Oni. Je commence à avoir du pétrole qui se... s'agglomère partout. C'est pas mal. Ok. Bon, tout ce pétrole là va commencer à être pompé. Puis le temps qu'on dit qu'on doit faire du pétrole. Ça va être fait. On va ouvrir là aussi pour faire sortir ce pétrole. Et voilà. Ça va mettre un certain temps. Je vous l'accorde. L'art de faire compliqué quand on peut faire simple. C'est pas du tout compliqué. C'est compact. C'est pas les mêmes adjectifs, hein, compliqué, compact. Donc on va pouvoir mettre de l'eau ici. Yo Mireille, comment vas-tu? T'as vu, tu as une case à toi tout en haut. Compact, c'est pas le mot que j'aurais choisi, mais admettons. Ah, c'est un trieur 5 liquide à 4 voies. Ça, c'est compact quand même. Là. Tiens, le voleur de place numéro 1, ça va. Pourquoi tu mets de l'eau? Il vole ton pétrole. J'ai pas vu la classe MDR. Je mets de l'eau, c'est pour le compactage. C'est comme ici, je mets du pétrole pour compacter. Et là, je vais mettre de l'eau. Salut Cerber, comment vas-tu? J'ai juste peur qu'il me fasse tomber un truc dedans, ça me ferait trop chier. Devoir aller chercher et tout, c'est trop chiant. Voilà. Voilà. Et là, en prio 9, on ferme. T'as une nouvelle interface, yes. Nouvelle interface. Un peu plus soft, un peu moins encombrante dans l'idée. C'était un peu le but. J'espère qu'elle vous plaît, ceux qui ne l'ont pas encore vue. Quoi ces nouveaux compresseurs? C'est les mêmes avec plus d'entrées, plus de sorties. Voilà, grosso modo, c'est ça et ça, c'est la même chose, sauf qu'il y a 4 entrées, 4 sorties. Thank you.
L'interface est cool. Bah, écoutez, si ça vous plaît, je suis content. Ok, tout ça, ça va se remplir. C'est en train de se faire. Notre petit trieur est en train de s'en occuper. Ça, c'est bon. Là, on pompe le pétrole venu d'ici. Voilà, ça descend au fur et à mesure. Il y a nos petits slickters qui s'occupent de faire tout ça. C'est quoi? Ok, on voit le bordel. Mais c'est pas un bordel, c'est compact. C'est pas un bordel. C'est tout simple. Là, il manque juste un aller-retour et il manque un trieur ici. C'est fonctionnel. Waouh, c'est quoi ça? Ah, c'est un petit triage. Ça va, en termes de tuyaux, on est correct. Ouais, c'est vrai que 80% des tuyaux sont ici. Le pétroleum, il suffit de faire comme ça en fait. Je vais le faire aussi. Je vais recopier celui-là en dessous là. C'est là que j'ai prévu la place. Le seul truc qui me fait chier, c'est la position de ce geyser là. Lui, il les met à quelle température? Ouais, 150, faudra que je le refroidisse par contre celui-là. Avec crude oil. Ouais, c'est pareil. En fait, si tu regardes les couches, on le voit ici. C'est pétrole brut, pétrole raffiné, eau sale, eau propre. Dans l'ordre des... Comment dire? Dans l'ordre des poids. Là, l'actuel, c'est le crude oil. C'est le pétrole brut. Voilà, l'eau remonte et l'eau fait l'équivalence de ça, mais ici. Je dois barrer ma feuille. C'est ça. Voilà. Ici et là, on a du pétroleum dans les pompes. Enfin, du crude oil, pardon. On a du crude oil dans les pompes. Ça, c'est très bien. Le geyser à chlorine, là, on va l'ouvrir. Qu'à faire. Voilà. Tout est propre, tout est clair maintenant. Il y a deux ratures. Hein, tu as. Si de ça que c'est réuni, il a fait une vidéo il y a quelques heures. Ouais, je l'ai entrevu, ouais. Je l'ai entrevu. Le concept a l'air cool. Après, ça dépend ce qu'ils mettent dedans. Voilà, lui, il va pouvoir enfin s'exprimer.
Ah merde. Il est pété. Il marche peut-être pas le liquide accru, le compacteur à crudeuil. Il marche peut-être pas. Ça arrive des fois qu'il bug en fait. Là faut que j'arrête sinon il va casser en fait. Il a l'air de fonctionner, mais je veux pas qu'il fasse ça parce que là j'ai peur qu'il pète. Ouais, voilà. Là, au prochain reload, ça pète ça en fait. Déchet. En fait, il faudrait pas ça. Tout se terminer. Voilà. J'ai peur qu'il pète en fait à terme. Je pense même qu'il va péter. Si je sauvegarde et que je reload, je pense qu'il va péter. Je sais pas si le reload va fixe. Mireille et Pouka, ils sont là. Le Top Shears, j'ai regardé. Et donc là, c'est sur 30 jours en fait. C'est pas exactement du mois, c'est sur les 30 jours. J'avais pas marqué de Top Shear 30 jours. Et en fait, Pouka, dans 26 jours, tu vas passer Top Shears. Parce qu'en fait le Shears de 1000 de Mirael il sera obsolète. Ouais. Ben, je crois, si j'ai pas de conneries. Dans 26 jours, exactement. Je vais suivre ça de près. Ouais, ça va pas fixe. Ça n'a pas fixe. Faudrait démonter ça. On va essayer de corriger comme on peut. Et à mon avis, il faut dégager ça. J'ai peur que ma flotte elle parte là où il faut pas. Je pense que comme ça, ça devrait suffire. Et là, l'hydro,
on le mettrait là. Et on démontrait tout ici. Comme ça. La fin du cycle. Voilà. Bon, on va réaccélérer. Je pense que j'ai pas fait une connerie. Backspace. Que j'ai activé. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, par contre, faut que ça arrête de couler dessus là. On va déconstruire ça. Et on va faire un toit entre guillemets pour éviter que ça coule dessus. Parce qu'il y a toutes les saloperies là qui coulent. C'est bon. Donc si t'es au-dessus à 500 kg, t'es actif. Sinon, non. Voilà, nickel. Et voilà. On va ractu. Oui, ractu. Rallumer la pompe. On va rallumer la pompe. Normalement, lui, j'aurais pas besoin d'y aller. Ouais, tout le surplus, il est à Ben, là. C'est vrai. C'est vrai. Il y a moins en moins de germes. Là j'ai 12 millions de germes par case. On va voir si ça marche. J'aimerais bien que oui. Mais le jeu me dira peut-être nope. Il a peut-être fallu mettre des cases pleines ici. Je sais pas, on essaye, on verra bien. Là, on peut en mettre encore et encore et encore. We'll be right back.
We'll be right back.